Et tout est revenu à Quincala, département du Pôle, où le siège de la direction départementale de la Caisse nationale de sécurité sociale vient d'être inauguré par Florent Tsiba, ministre d'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Prennent la parole en premier au cours de cette cérémonie Anne-Marie Malonga, administrateur maire de Quincala, a au nom des populations de sa communauté urbaine souhaité un accueil chaleureux au ministre d'État et à la délégation qui l'accompagne avant de féliciter l'œuvre accomplie. Une grande particulière au village de Quincala. Je tiens à vous demander tous les deux agréments suivis par mon papa, nos mamans admis à la retraite. Les trois acteurs de développement qui ont su affirmer votre pays méritent toute la reconnaissance de l'État. Et votre geste, monsieur le ministre d'État de ce matin, Évariste Ndongo, directeur général de la CNCF, a en qualité de maître d'œuvre présenté les caractéristiques techniques de ce bâtiment chiffré à 1,4 milliard de francs. Le bâtiment administratif en forme de L est de style public et d'une architecture monolithique. Il se développe sur trois niveaux, dont un sous-sol. Au sous-sol, faisant office de rez-de-chaussée se trouve une grande salle de conférence de 200 places, un salon d'honneur, deux locaux techniques pour N+1 se trouve, le hall d'accueil, 8 bureaux, 4 guichets. Pour N+2, on trouve 9 bureaux, une salle de réunion, un local de surveillance. Réalisé par la société MBTP, cet immeuble de couleur dominante, blanche et grise, vient de mettre fin aux difficultés de tout genre que les assurés sociaux du pôle ont endurées pendant tant d'années pour la résolution de leurs problèmes auprès de la CNCF. La tarification de l'électricité au coût marginal, quelle opportunité d'auto-salutaire, surtout pour les populations lambda. C'est à ce juste titre, pendant 7 jours, les acteurs du secteur de l'électricité, à travers cette formation organisée par l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, l'ARCEL, avec le cabinet international Brand Consulting, vont réfléchir et échanger afin de trouver des mécanismes qui pourront permettre aux populations, aux industriels et autres commerciaux de bénéficier des services publics quantitativement et qualitativement performants. Émile Opango est le directeur général de l'ARCEL. Notre objectif est de permettre à l'ARCEL et aux acteurs du secteur de mieux répondre aux défis qu'ils se doivent de relever à court, moyen et long terme. Par ailleurs, les études tarifaires et de coûts de service de l'électricité en cours dans notre secteur représentent des composantes importantes de la réforme institutionnelle en cours, car elles concourent à adapter les tarifs aux consommateurs, au nouvel environnement et à la recomposition du secteur de l'électricité au Congo. Ouvrons les travaux de cet atelier, Georges Roger Azama, le directeur du cabinet du ministre de tutelle, retraçant l'intérêt de ce programme, invite les participants à plus d'abnégation. Soit des données et des principes de calcul pour déterminer le prix que chaque consommateur ou catégorie de consommateurs sera à même de payer pour une tarification qui présente l'interface entre l'offre et la demande permet d'assurer une cohérence entre les décisions de consommation et fait des investissements, maximise l'intérêt collectif. Cette œuvre, signalons-le, s'inscrit dans le processus de réforme du secteur électrique envisagé par le gouvernement congolais. Située dans la rue Mère Marie à Bakongo, deuxième arrondissement de Brazzaville, cette résidence aux allures modernes est subdivisée en 4 chambres bien équipées. C'est le cadre érigé par le député maire de Brazzaville, Hugo Ngolondele, afin d'héberger ces 3 jeunes artistes musiciens non-voyants aux frais de la mairie centrale. Ce trio artistique aura entre autres missions d'agrémenter les activités de la mairie de Brazzaville en sa qualité de ville créative de l'UNESCO. Leur tout premier projet, mettre sur le marché un opus qui permettra à l'opinion de mieux les découvrir. Cardorel Manangou est l'un des heureux bénéficiaires. Et pour cela, nous avons effectivement prévu un morceau qui s'intitule « Nous célébrons un lundi béni ». Parce que pour nous, ça ne peut qu'être un lundi béni. Un lundi béni.
Pourquoi? Parce que le déficient visuel qui autrefois avait été relégué au second plan, mis dans les pétras, si je puis m'exprimer ainsi, est aujourd'hui valorisé. Et cela grâce au maire de la ville de Brazzaville, que je salue. Et donc vraiment, j'allais également vous dire de l'applaudir. Cette action à caractère humanitaire témoigne en effet le haut degré de générosité qu'incarne le député maire de Brazzaville qui a tenu à matérialiser sa promesse quant à la prise en charge de ses aveugles. Reste donc à ces derniers de prouver leur talent artistique, ce qui égayera leurs donateurs. C'est en compagnie du directeur des relations publiques chargé du village de Feu de Braza et du circuit touristique José Cyr Ebina que le colonel Jean-Claude Ngouka, directeur de la prévention et de la réglementation à la direction de la sécurité civile, a visité le site du Festival populaire et international des musiques traditionnelles Feu de Braza. La sécurité du site, la construction des stands, des podiums, l'espace ont été le maître mot de cette visite. José Cyr Ebina au terme de cette visite. Il fallait qu'il y ait cette visite pour qu'ils regardent la solidité, pour qu'ils touchent du bois. Donc maintenant qu'ils ont fait ce qu'il faut faire, nous on va commencer maintenant à habiller les stands et à commencer à finaliser ce que nous devons faire sur le village même de Feu de Braza. Devenir nombreux, leur site est prêt. Quand on fait des répétitions, ils sont là nombreux, ils viennent déjà assister, parce que pour nous la sécurité c'est la première des choses. Donc on attendait cette validation là pour que nous puissions accélérer et finir. Donc je dirais le village sera totalement fin prêt. D'ici le 25, on aurait clôturé exactement avec ce que nous avons prévu. Espérons que, après cette visite des autorités de la sécurité civile, toutes les précautions relatives à la sécurité seront prises afin que ce festival populaire international de la musique traditionnelle, Feu de Braza, le vœu des organisateurs de ce festival, et que cette 7e édition soit une réussite et que la fête soit belle. Dans un délai de 3 semaines, si ce mur n'est pas arrêté, si la population, les acquéreurs ne reviennent pas sur le terrain, l'armée répondra de ce qui se passera. Cet ultimatum est en croire le représentant de la famille Ngambiot à la croix, l'expression d'un sentiment de désarroi et d'amertume suite à leur propriété qui serait illégalement occupée par l'armée. Le terrain de la poudrière nous revient, nous appartient. Parce qu'entre 1939 et 1945, il n'y avait pas une poudrière là-bas. C'était bien un village. Après avoir, c'est-à-dire que l'armée, le 6 mai 2014, donc il y a quasiment 2 ou 3 mois, quand l'armée est venue casser, nous sommes repartis au tribunal. Et le tribunal nous a établi, nous a délivré une ordonnance de maintien sur les lieux. Jusqu'à ce jour, l'armée est en train de fouler les décisions de justice. Nous disons que l'armée est devenue le dernier rempart qui dicte la loi martiale et la justice est obligée de se taire devant le canon. Nous disons non, nous allons aller jusqu'au bout parce que nous sommes conscients. Nous sommes conscients que ce terrain nous revient. Ce terrain à problème est une étendue d'environ 20 hectares située en face de l'aéroport international Maya Maya. Mais là où le bât blesse, c'est que ce terrain fait l'objet d'un conflit à recrudescence, en dépit de multiples décisions de justice, des procédures qui restent jusqu'ici sans succès. Cela nous amène à se questionner sur l'autorité de la chose jugée. Au total, 21 séminaristes venus du Cameroun, de la RDC, Centrafrique et du Congo-Brazzaville prennent part à ce séminaire de formation du cours niveau 2 des entraîneurs nationaux de volley-ball. La vulgarisation et le développement de la pratique du volley-ball dans notre pays demeure pour la Fédération congolaise de la discipline une priorité, a indiqué le colonel Jean-Claude Mopita, président de la Fédération congolaise de volley-ball à l'ouverture de ce séminaire. Cette année, le tour revient aux entraîneurs, dont certains sont venus du Cameroun, de la République centrafricaine et de la RDC. Les stagiaires
Une fois de plus, nous vous demandons de suivre avec beaucoup de sérieux. Soyez assidus et réceptifs. N'oubliez pas également que vos connaissances anciennes et nouvelles seront évaluées par des tests écrits. Pour André Claise, expert de la Fédération internationale de volleyball, animateur de ce séminaire, se dit prêt à dispenser ses cours. C'est avec grand plaisir que je vais transmettre cette passion, mais il faudra aussi que les entraîneurs, avec leurs joueurs, transmettent leur passion, transmettent cet amour, je dirais, de l'activité, transmettent aussi, je dirais, l'envie de progresser, la volonté de réussir, d'aller plus loin. Et ça, je dirais, c'est important ce rôle d'entraîneur. Ce cours du niveau 2 est le bienvenu pour les entraîneurs car il se tient à l'orée des 11e Jeux africains que le Congo aura le privilège d'organiser en 2015. Where's the stories behind the stories? We're able to touch on things that are important to people. You name it, we talk about it. The issues that we discuss are pertinent to most people on the African continent. If you want to find out what's happening in the world, but also why is it happening, you'd like to watch Underline. And we take advantage of all the experts that are concentrated in this area. Washington Forum is made by the viewers, for the viewers. I'm bringing something to Africa. We hope that our viewers are getting inspired when they watch our show, but they're learning, they're getting a view of the world from a different perspective. We go beyond the headlines and dig a little deeper, so that people can have better information to help them in their lives. The Somali show is called Kubanaha. It's a 15-minute long show, and VOA, the brand, is a trusted organization. Deuxième monde, Bolingi Batote, Kaka Dinoqua Bato, Pronto Show Music, Quentin Brown. Avec des proches, le faisons semblant. À parti pris, point de conseil au Mania Kanati, décrit. Paul Kobo Banda, A.S. Linéaire premier, Hugues Vogel, Ludovic Abia. Junior Métallique.
Amis téléspectateurs de MNTV, bonjour et bienvenue si vous venez de vous connecter sur la chaîne d'excellence. Il est 9h47 exactement. Le décor a changé, et bien c'est pour une bonne raison. J'ai sur ce plateau des membres du comité d'organisation du grand festival Feu de Brazza qui aura lieu très bientôt dans notre ville capitale. Aussi son promoteur, le directeur général, est aussi sur ce plateau, donc Monsieur Gervais Ugandaï. Nous allons parler de ce festival qui pointe déjà à l'horizon. Il y a un téléphone qui sonne. Oh là là, oh là là. Voilà, donc on va s'entretenir avec mes invités. Nous allons parler de ce festival. Bonjour, Monsieur Jinka. Bonjour. Bonjour aux dames. Bonjour. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau pour le festival Feu de Brazza bientôt. C'est du 28 au 8, du 28 juillet au 8 août. Les préparatifs déjà ont un nom, je dirais. Oui, les préparatifs ont commencé. D'accord, merci. D'accord, merci bien. On va marquer une petite pause et on revient juste après pour la suite. Reste avec nous. Voilà, amis téléspectateurs, donc si vous venez de vous connecter, on vous dit bonjour. Le décor a changé, c'est pour une très bonne raison. C'est tout simplement parce que nous parlons du grand festival Feu de Brazza qui pointe déjà à l'horizon. C'est du 28 juillet au 8 août à Brazzaville. Et pour cette édition, ça sera à Filo dans le 7e arrondissement. Le promoteur de ce grand festival est avec moi dans ce studio, la personne de M. Gervais Ugandaï, ainsi que les stagiaires qui sont arrivés. Nous nous entretenons avec ces stagiaires, aussi avec le promoteur. Le festival, c'est pour bientôt, monsieur le directeur, monsieur le promoteur. Les préparatifs, déjà, où en sont-ils? Les préparatifs vont marcher. On est en train de faire la dernière réglage, n'est-ce pas? Les simulations. Le site, il a été inspecté par la Direction générale de la sécurité civile. Bon, nous attendons le rapport, hein, le rapport de validation. Les délégations pour certaines sont déjà là. Vous savez, on a reçu bientôt 2 semaines déjà M. Mustapha Aounou, des stagiaires. Certaines sont déjà là et d'autres vont arriver. Combien d'artistes sont attendus? Mais pas seulement en termes d'artistes, parce que ce n'est pas un festival des artistes. Mm-hmm. Il y a d'autres aspects que nous développons avec ce festival, notamment les aspects scientifiques, qui sont aussi très importants. Il y a aussi des aspects de formation. Notamment la formation des directeurs du festival d'Afrique qui aura lieu ici. Il y a la tribune des musiques africaines, ça veut dire qu'un jury va siéger pour consacrer les œuvres de tout genre hein, de la musique africaine. Il y a l'Assemblée générale du Conseil africain de la musique qui se tiendra ici. Vous comprenez que c'est autant de rencontres qu'il y aura, mais on ne tiendra pas moins de 200 invités à. Ici, il y a aussi des touristes parce qu'il y a cet aspect que nous développons. Feu de Brazza est lui-même un produit touristique et nous développons également cet aspect avec le carnaval nautique qui va avoir lieu jusqu'à à l'île de Rafia. Donc vous comprenez que
si on est déjà debout, nous avons déjà le fonds de communication depuis 23 mois sur le national. On a déjà pu le relever. Si on est debout, c'est pour vous dire merci. C'est pour vous dire que merci pour votre accompagnement et vous présenter ces stagiaires qui reviennent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Congo, notre pays. Avant de m'entretenir avec les stagiaires, monsieur le promoteur, tout est fait prêt grâce aux efforts de toute une équipe. Oui. Qui s'active franchement pour les choses de ces festivals. Non, le fait c'est quoi? Chacun apporte son fagot pour allumer le brasier. Donc c'est ça l'esprit de Fête de Brasa. C'est un festival participatif, c'est-à-dire que toute la population, vous y compris, et tous ceux qui peuvent apporter leur contribution à cet événement sont totalement bienvenus, il faut le dire. Grâce à vous, grâce à tout le monde, grâce aux médias, grâce à ce comité des bénévoles de vous depuis bientôt 10 ans, des gens qui croient, ils n'ont que ça, c'est-à-dire que la foi au devenir du continent, avant tout pour parler de notre pays, parce que l'Afrique a besoin de s'affirmer comme un véritable continent qui détient une diversité culturelle. Et nous y sommes debout, nous sommes les combattants de la culture, c'est comme ça qu'on nous traite, parce que dans différents pays, la culture n'est pas encore au cœur des agendas de nos gouvernants. Il va falloir que nous, société civile culturelle, fassions bouger les lignes pour que la culture occupe sa place dans le développement de nos nations. Bien sûr, bien sûr. Voilà, les stagiaires sont là, elles viennent de partout. Liliane Mbessi vient du Cameroun, il y a Edwige Kwame qui vient de la Côte d'Ivoire et Ipol Ondaï qui est du Congo, Brazzaville. Je peux dire un mot, excusez-moi madame, ces stagiaires sont arrivés ici dans le cadre du programme de développement du secteur musical en Afrique. C'est un programme porté par le Conseil international de la musique, mais financé par l'Union européenne et les ACP. Donc, ils sont là, les pionniers de ce programme qui se développera sur 3 ans sur le continent, pas seulement sur le Fête de Brasa, mais au Congo, au Cameroun, au Zimbabwe et puis en Côte d'Ivoire. C'est un point de suite avec le prochain forum africain de la musique. Et voilà, donc ces dames sont dans ce cadre. Voilà, alors les dames sont là pour, c'est vrai que c'est pour ce programme, et vous êtes aux côtés des membres qui organisent ce festival Feu de Brasa. Déjà jusque-là, qu'est-ce que vous avez appris? Quelle a été votre participation, votre contribution? Je commence par Liliane. Merci de me donner la parole. Et c'est un plaisir d'être à Feu de Brasa, parce que c'est une plateforme du donner et du recevoir. C'est un secteur informel où tout le monde se bat pour y arriver. Et je crois qu'ici, c'est l'occasion de prouver au monde entier que la musique traditionnelle est la source de notre vie. Que cette chose-là, c'est ça qui est l'essence même de nos personnes. Et que nous ne devons pas nous amuser avec cela. Donc il est important que cet événement concerne tout un chacun, tout un Africain, pour que dans nos cœurs, batte à démission, pour que nous réfléchissions ces festivals. Alors, ce que nous avons appris, beaucoup. Vous savez, la diversification des cultures en Afrique n'est plus à démontrer. C'est un immense plaisir et même un grand honneur d'être là. Si je ne peux que m'arrêter là pour l'instant. Voilà, c'est un immense plaisir d'être ici à Brazzaville pour ce festival. Edwige Kwame, vous venez de la Côte d'Ivoire. Et voilà quelle est l'importance de la musique traditionnelle dans nos cultures en Afrique d'une façon générale. Vous êtes une Africaine. L'importance, je dirais que c'est la source de toutes les musiques que nous entendons aujourd'hui. On entend beaucoup de musique, on entend beaucoup de styles, mais tout ça a puisé son origine quelque part. Et c'est certainement dans nos cultures, dans nos traditions, la musique traditionnelle, c'est de cette musique à qu'elle est toute cette musique. Voilà, qu'on écoute aujourd'hui, qu'on entend aujourd'hui, qu'on apprécie aujourd'hui. De cette musique-là qu'elle est toutes les autres musiques. Alors, Ipol Ondaï, elle est très jeune. Vous également, vous êtes stagiaire. Jusque-là, qu'est-ce que vous avez retenu? Du festival de Brasa, est-ce que vous avez appris quelque chose? J'ai appris beaucoup de choses au sein du festival Feu de Brasa. D'abord, c'est très rare de voir
des jeunes filles ou des jeunes garçons comme moi s'intéresser à la culture, okay. aux traditions. Traditionnelle, hein, oui. Parce que la culture, elle est très vaste. Moi, je m'intéresse à ça particulièrement parce que, bon, comme Madame Edwige l'a dit, Vous pensez que les jeunes, c'est peut-être une question un peu sévère pour vous, vous pensez que les jeunes ont leur place, ont une place dans la musique traditionnelle? Oui. Sérieux? Oui. Comment ça? Parce que tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc les jeunes, ils ont une place dans la musique traditionnelle parce que tout d'abord, beaucoup de jeunes pensent que la musique traditionnelle, Ça concerne pas les jeunes, c'est pour une génération. Mais la musique traditionnelle, c'est pour tout le monde, quoi. Okay. C'est pour tout le monde. Et même on voit la musique qu'on écoute aujourd'hui, comme Madame Edwige l'a dit, la vraie source de cette musique là, c'est la tradition. D'accord. Parce que aujourd'hui, sans la tradition, en fait, pour moi, nous ne sommes rien, quoi. D'accord. Nous ne sommes vraiment rien sans la tradition. C'est notre source, c'est de là que nous venons et on ne doit pas l'oublier. On ne doit pas négliger. Bien sûr, d'où est-ce qu'on vient. Ça va? Oui. Voilà, alors je retourne aux côtés de M. le directeur général de ce festival, le thème pour cette cinquième édition qui est... pour cette cinquième édition, ça se passera à l'arrondissement 7 et Lourdes, d'accord, parce que c'est un festival qui est rotatif, d'accord. L'instrument de musique africain et son rôle dans le monde, c'est aussi une activité parallèle au festival. Oui, peut-être pas parallèle, c'est une activité du festival. Oui. Il s'agit là de l'aspect scientifique du festival, et qui est monté entièrement par le CR Otola, n'est-ce pas, depuis... les appels à candidature, la réalisation elle-même et ensuite la publication des actes. C'est un grand soulagement parce que c'est le voisin n'ayant pas de moyens, mais ayant l'ambition de devenir un grand festival au service des universités de notre continent, il était donc question que l'on cherche une institution capable de formaliser ces choses-là. D'accord. Et donc le CR Otola, qui est une grande institution panafricaine installée à Yaoundé, se charge depuis des éditions à travailler sur les aspects scientifiques du colloque. Et pour cette édition, c'est l'instrument de musique africain et son rôle dans la musique mondiale. La musique est partie, vous savez, le vieux dame vient de le dire, la musique est partie de l'Afrique, parce que le postulat de départ, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est la mère patrie qui a donné naissance à la musique du monde, mais la musique ne se fait pas sans instrument. Mais c'est une créativité, n'est-ce pas, africaine, qu'il faut mettre en exergue. Et nous avons donc voulu célébrer cette créativité, nous avons voulu célébrer ces créateurs, nous avons voulu les ramener au cœur du débat pour qu'on essaie de réidentifier les différents airs géographiques d'appartenance de ces instruments, essayer de travailler sur la documentation de ces instruments, sur l'utilisation des nouvelles technologies et sur la commercialisation. Vous voyez, donc c'est tout un programme qui sera débattu par... Il y a aussi une formation pour les enfants Oui, ça c'est un atelier d'initiation aux instruments, notamment la sanda et le balafon. Pour le colloque, nous aurons 106 participants, dont 50 de l'extérieur et 53 du Congo. Vous comprenez que c'est un grand échange qui aura lieu et je profite de vous. Ça se tiendra à l'auditorium des affaires étrangères du 5 au 7 août pendant 3 jours. Voilà. D'accord. On va marquer une petite pause avec une très belle musique traditionnelle pour le plaisir de tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et quand on parle du Festival Feu de Brazza, je pense que tout le monde doit se sentir concerné. Et, entrée libre et gratuite. Les Congolais aiment bien quand on dit entrée libre et gratuite. C'est gratos. Hein? Vous pouvez vous y rendre massivement. On va donc marquer cette pause. On vous retrouve juste après pour l'acheter. Ben,
vivi ba yo ba ti na bo ye bura be ko e ja ba da si ba ye ya ye bo bili e po sa bili va oye ba na ba oye a yi bo mba ba na ba le mo wale ba na kuluna wale rakala e ja bi sa ba fa ko ye yi su ma chamia yi bo si ko jom oye yi ba nga pa ka ngo ko ngo wonja ka dokyo
Voilà, merci beaucoup pour cette belle musique traditionnelle. J'espère que ça fait plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et donc, je suis dans ce studio accompagnée des stagiaires qui sont arrivés pour le festival Feu de Brazza, aussi avec le promoteur de ce grand festival Feu de Brazza qui se tiendra très prochainement ici dans notre ville capitale Brazzaville. Voilà, Liliane Bessy vient du Cameroun, elle est directrice du festival Les Découvertes de nos Racines et elle est ici justement pour participer, contribuer à la réussite de ce festival. Votre participation ici se situe à quel niveau? Qu'est-ce que vous faites tous les jours par exemple? Oui, comme il s'agit d'un festival traditionnel, moi je suis directrice de festival, ça fait 7 ans déjà. Redécouverte de nos racines, ça va des idées où la culturation a envahi notre arrière-pays, au Cameroun, dans la région de l'Est. Là, nous avons 3 communautés à gérer. Et cette expérience que j'ai eue, on vient le partager. Et moi aussi, je profite sur le plateau pour apprendre. Vous pouvez des conseils, vous essayez de voir ce qu'il faut faire. Oui. On partage, on essaie de voir ce qu'il faut faire, on fait le point. On essaie de suivre les idées, vivre ensemble. Et c'est comme ça que nous évoluons. Au préalable, je suis d'abord diplômée en licence professionnelle d'organisation d'entreprises et gestion. Okay. Ceci me permet déjà de gérer une structure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un festival, ça gère les hommes, ça gère les finances. Donc en fait, c'est une entreprise. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc on est là pour apporter notre expérience. Et que je se voit aussi ce que les autres savent faire. C'est un endroit d'échange, c'est un moment d'échange, et de partage. Alors Edwige Kouamé, vous revenez de la Côte d'Ivoire, vous êtes étudiante titulaire d'un diplôme supérieur artistique, option musique africaine. Vous également, vous êtes stagiaire au Festival Feu de Brazza. En quoi se résument vos activités journalières? Bon, ici, Feu de Brazza, si vous voulez, nous offre la possibilité de faire une formation. Je suis là surtout dans le cadre d'un apprentissage. Okay. Voilà, comme M. Hugues l'a dit, c'est sous la couverture du CIM que nous sommes là, du Conseil international de la musique. Okay. Donc, ce conseil nous offre la possibilité d'une formation, la formation des organisateurs de festival. Et ce devoir-là ici est pour nous la plateforme sur laquelle nous devons apprendre la gestion, comment est-ce que ça se fait, comment est-ce qu'un festival s'organise, quelles sont les personnes qui participent, qui concourent à la réalisation de ce festival. Donc c'est beaucoup plus, moi je suis là, beaucoup plus pour apprendre, voilà. C'est pour acquérir une expérience, vraiment. Bien sûr. Ipol Ondaï, elle est aussi stagiaire. Oui. Alors vous, qu'est-ce que vous faites tous les jours quand vous arrivez? Moi je suis assistante dans la communication. D'accord. Je m'occupe de la presse. Je coordonne un peu. Vérifier tout ce qui est communication, oui. Les organes, vous faites. L'heure à laquelle on a fait passer les spots, les publicités, oui. Et puis après pour faire le point au directeur. Bien sûr. Voilà. Pour faire le point, elle est déjà en train d'être initiée à organiser des grands événements. Ça, c'est très bien. C'est une belle expérience, surtout pour ce moment de vacances. Alors, monsieur le promoteur, il y a des activités de jour. Oui, effectivement. Feu de Brazza, c'est pas seulement la nuit, comme on dit. Non, du tout. Vous viendrez dans le site de Feu de Brazza. Là-bas, vous trouverez un grand podium. Hein. J'ai jamais l'habitude de dire qu'il fera date, parce que ce podium... on ne le trouvera nulle part à Brazzaville, sauf en film. Et ouais. Je peux vous dire que toute la plateforme culturelle qui est là-bas, ça sera désormais patrimoine de la mairie de Filou. Donc c'est le don de Feu de Brazza en Filou. Et c'est notre contribution à nous en tant qu'événement au développement de l'action culturelle dans la ville de Brazzaville. Et vous le savez bien, qui est la première ville créative africaine en matière de musique. Ouais. Donc vous trouverez dans cette plateforme-là un podium d'une profondeur de
de 1m20 avec une largeur de 14,70 et enfin une longueur de 14,70 et de largeur double largeur de 10, 4, 6 et 3 ouvertures. Mais tout au long, vous verrez qu'à côté, il y a des stands, n'est-ce pas? C'est des stands institutionnels, hein, on ne vient pas là-bas pour vendre non. Quoi que ce soit. Non, c'est des institutions qui viennent pour exposer. Exposer il y a le ministère du tourisme et des loisirs, il y a nos amis de la galerie du bassin du Congo. Il y aura aussi un espace pour les ateliers, n'est-ce pas? Et derrière, il y a une tribune pour les officiels, parce que nous savons que Filou, c'est un arrondissement à forte concentration humaine. Oui. Nous avons voulu surélever les officiels pour ne pas que ils soient gênés avec le public. D'accord, ça, pas confondu. D'accord. Derrière, vous aurez un plateau télé, parce que ces émissions, que vous êtes partenaires, malheureusement pour nous, se réaliseront sur le site. D'accord. Et il y a un plateau télé qui est mis en place là-bas. Il y a une salle multimédia, donc c'est pas la peine de revenir pour faire le montage à MNCOM. Vous le ferez sur place. Et vous pourrez même envoyer à partir du haut débit qui est installé là-bas par deux sociétés. Voilà. Je préfère tel nom. Vous pourrez expédier directement depuis la plateforme pour vos différentes chaînes. Donc tout ce travail se passe là-bas. Avec le cours, c'est l'atelier d'apprentissage et qui sera animé par trois grands maîtres. Un Congolais, c'est Ken Obora, et un Ivoirien, c'est Maître Adepo Yapo. Il y a un Zimbabwéen qui vient avec un autre très cher Dolorosa Mvondi. Donc, ils vont travailler et le village sera animé de jour comme de nuit. Les spectacles de feu de voisins ont lieu la nuit, mais le jour, la plateforme est à la disposition du ministère du tourisme et des loisirs pour organiser d'autres activités, notamment scéniques, les expositions, les ateliers pour enfants. Et donc le village sera animé 24 heures sur 24. Le village sera animé 24 heures sur 24 à découvrir à Filou. Merci beaucoup, monsieur le promoteur, d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous nous offrez, MNT, Média Partenaire, d'accompagner, n'est-ce pas, la culture dans notre ville. Merci. Et dans notre pays. Et ça se discute. C'est l'une des émissions que le public congolais et brazzavillois suit le plus. Mmh. Et quand on passe ici, et on a... Vous avez le retour. Et donc, on a le sentiment aussi, et ce qui est réel d'ailleurs, d'avoir touché tous les brazzavillois que j'invite d'ailleurs à venir nombreux en Filou, le 2, observer ce qui n'est jamais réalisé dans ce pays. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le promoteur Gervin Hugondaï, promoteur du festival Feu de Braza. C'est pour bientôt. Donc, à Brazzaville, nous vous invitons à vous y rendre massivement. Merci aux dames stagiaires d'être venues. En tout cas, la fête continue jusqu'au jour J. On est dans les préparatifs de la fièvre du festival. Voilà, on va donc marquer une pause. Tout à l'heure, nous reviendrons pour parler de la politique avec Michel Smith. Mais avant, une très belle musique pour le plaisir de tous nos téléspectateurs qui sont en ce moment scotchés sur Amen Télévision, votre chaîne de l'excellence. Reste avec nous, à tout à l'heure. Madame m'a pas dit, quoi on dit que vous aussi, je me pagare comme d'hab. Pour qui est? Pour pagare comme pour qui est? Bella, 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 bella
Elle a belle chat la coche nous canto des flagues ou d'un chou chat assis comme un sale bombarde. Ne va pas les soldats, on m'a dit c'est comme elle a caché la chocade. À nos autres belles plus en blague, nationalité n'est pas belle. Est-ce qu'un staff, l'être un staff, glance de Willows. Tu vas y trouver, belle, belle, belle. Voilà, merci beaucoup Bella, c'était pour le plaisir de Aristide Ortega Andari. Amis téléspectateurs, nous allons parler du sport maintenant avec Francis, nous parlons du judo. Francis, bonjour. Bonjour, Bicette. On parle d'un club de Wendy qui organise, qui a lancé le judo vacances. Il s'agit du club... Maître N'Golo qui de l'autre côté entre... disons entre Wendy et Talangaï, puisque c'est un peu vers l'indépendance, avenue de l'indépendance. Alors ce jeune garçon, pendant que la Fédération congolaise de judo se bat, est en train de se bouffer les nez avec d'autres dirigeants pour
pour avoir un président de ligue de Brazzaville. Et il y a des jeunes, en tout cas des athlètes qui ne veulent pas rester au chômage, qui n'ont pas voulu rester inertes, qui ont cherché justement les voies et moyens, comment faut-il faire. Ils ont réfléchi comment faut-il faire pour rester compétitif. Parce que les Jeux de 2015, ce n'est pas en restant à la maison, ce n'est pas en assistant justement au débat de la fédération qu'ils seront en forme. Alors ils se sont dit, bah, écoutez, on va commencer à faire, à s'organiser. Et chaque dimanche, il y a d'autres judokas, d'autres clubs qui viennent sur ce tatami-là, se mesurer à d'autres aussi, donc comme une compétition comme interclub, donc dimanche aussi on se retrouve chez Maître Ngolo, le dimanche prochain on peut se retrouver chez un autre maître, soit le Maître Atta, ainsi de suite. Vous voyez que c'est ça justement, et là ce jeune garçon, le promoteur de ce club, donc Maître Ngolo, ceinture noire deuxième dan. Alors il a aussi réfléchi, comme lui-même aussi c'est un étudiant, alors il s'est dit, bah, écoutez, on est en période de vacances, les parents à la maison, au lieu de garder les enfants à la maison deux fois, qui vont commencer à se promener un peu partout, à ne rien faire, à grandir à la maison. On les envoie au club. Emmenez-moi vos enfants, moi je vais les éduquer, je vais les permettre de développer la maîtrise de soi, voilà, hein, les arts martiaux, c'est ça. Exactement. Oui. Donc il a commencé le judo vacances dans son club. C'est jusqu'à la rentrée. C'est jusqu'à la rentrée. D'ailleurs, tu conseilles combien pour inscrire son enfant? L'inscription pour un enfant, c'est entre 0 à 16 ans, c'est 6000 francs. Et si vous n'avez pas de kimono, il offre le kimono, et quand on vous offre le kimono, c'est donc 20 000 francs. Donc, ah, mais c'est bien, hein. Oui, parce que les kimonos sont devenus rares aujourd'hui, des bons kimonos pour les trouver aujourd'hui, c'est devenu rare, c'est difficile. Alors je vais donc laisser Richie Funandier nous faire couler les images, et aussi l'interview justement du promoteur du club, on va le suivre rapidement. Pratiquement la fin, tout le monde là, maintenant Dadé a joué déjà Babi. Mais oui, tu en as posé Francis Dadé, ah, il y a Dida aussi. Donc, tu as dit. Merci beaucoup pour cet élément. Je sais que ça vous a fait plaisir. On a vu des filles aussi, une fille là, sur le tatami, comme on dit. Alors, Francis, l'adresse exacte de ce club, au cas où certains de nos téléspectateurs seraient intéressés. Oui, le club se trouve vers l'avenue de l'Intendance. Oui. Il y a un petit marché derrière l'avenue de l'Intendance qui a été installé là-bas. Donc, c'est juste à côté. On se renseigne, c'est pas trop loin. En tout cas, c'est connu. Hein. Vous arrivez par là, vous demandez le judo club de Maître Ngolo, plus
connu. Donc ça, c'est une très belle initiative du maître Ngolo. Oui, on sait que... plus connu sur le nom de maître mobile. En tout cas, là, vous ne pouvez pas vous perdre. Okay. Et c'est une bonne initiative, moi, je trouve, parce qu'il faut encourager les jeunes comme lui qui se bat. Hein. En tout cas, il se bat comme il peut avec les moyens modestes pour permettre aussi à d'autres Congolais qui n'ont pas peut-être les grands moyens pour aller dans des grands clubs de judo, de faire du judo. Et tu vois, c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que il pratique un peu le judo éducatif. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le sport est aussi lié aux études, est aussi lié à l'instruction. Donc, c'est très important, je pense que pour avoir des bons judokas demain, des judokas bien éduqués, il faut aussi commencer très jeune et avoir un professeur qui a aussi quelque chose dans la tête. Parce que on a vu certains judokas aujourd'hui devenir des bandits, agresser des gens dans la rue. C'est pas normal. Quand on fait des amassos, quand on se dit judoka, il faut avoir la maîtrise de soi. C'est d'abord ça, les amassos, c'est d'abord la maîtrise de soi. On ne doit pas se battre n'importe comment. Voilà, on ne doit pas se battre n'importe comment. Vous pouvez connaître une ceinture noire. Exactement. Donc, en tout cas, les mamans, les papas, surtout, n'hésitez pas, emmenez vos enfants. Si vous avez des petits problèmes, vous pouvez vous repérer. On a vu deux petits garçons, là, l'image de tout à l'heure, qui sont âgés entre 5 et 7 ans. Ils m'ont vraiment séduit, ces deux petits. Voilà. Ils apprennent déjà comment faire, comment s'appellent les coups, là. Oui, ils apprennent déjà comment faire... faire le judo, c'est important. Un enfant de cet âge-là, avoir déjà la maîtrise de soi, c'est très important. Oui. Parce que des fois à l'école, ils sont perturbés, il y a des amis qui viennent le bousculer. Bon, lui-même déjà, il sait se défendre. Il est sur sa garde. Exactement. Et puis, c'est très bien. C'est très important. Donc les mamans qui veulent bien emmener leurs enfants là-bas, et surtout les papas, n'hésitez pas, si vous avez du mal à vous repérer, vous pouvez aussi arriver à MN. Moi, je vais vous conseiller exactement et je vous donnerai peut-être le numéro justement du maître mobile. Et surtout, n'hésitez pas à y aller. C'est très important, en tout cas pour les enfants, pour occuper les enfants pendant les vacances. C'est ça aussi, le sport, ça éduque aussi, donc c'est très important. Merci beaucoup, Francis. C'était un plaisir. Voilà, merci beaucoup, Francis, d'être venu nous parler de ce club de Wenzé. Je trouve à Wenzé, en fait, le club du maître mobile, maître Ngolo. Voilà, vous avez des enfants qui sont en période de vacances. On peut les occuper avec des occupations bonnes, intéressantes, importantes. Pratiquer le sport, je pense que c'est très nécessaire pour tout le monde, que ce soit les adultes ou les petits. Et voilà, vous pouvez donc vous rendre à ce club-là pour inscrire vos enfants. C'est moyennant 6 000 francs. Si vous ne vous retrouvez pas, venez au 16 avenue de la Chimie, rencontrez notre collègue Francis. Il vous aidera à retrouver ce club. On marque une fois de plus une pause, quelques minutes, juste le temps que M. Lee s'installe pour présenter la rubrique Géopolis. Reste avec moi tout à l'heure. À coup de pute, il se régla la querelle. Je ne fais ni dans la fantaisie, ni dans la quenelle. Toi et demain, ou après-demain, c'est du pareil au même. Je suis la branche Al-Qaïda du game, je les fais sauter eux-mêmes. Je suis la branche Al-Qaïda du game, je les fais sauter eux-mêmes. Il a la branche là sous les bras, béni soit son qu'elle vienne. J'ai tout eu, même ce que je ne voulais pas. Est-ce que vous n'êtes pas? J'ai rien vu, j'ai rien entendu, mais c'est que vous n'y êtes pas. Sueur de temps sous les bras, nique ta mère, on viendra. Vous inquiétez, car vous n'arrivez pas. Tous ces millions sous mes bras. Non, les grands, je ne te connais pas. Si je ne me connais pas, drapeau, pirate, sous les bras, on se reconnaîtra. Ma carrière est incroyable.
Si je vais en enfer, je fais le voyage. Tu peux m'atteindre, mais je suis injoignable. La NDR que je traînerai est insoignable. Je sais pas, je décrète allant. Je donc rock, sexe, idéalement. J'ai quitté le terre-terre, au volant du RR. De la carte, j'suis un expert. T'as aimé sucer, j'ai aimé céder. Au calme, 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 au calme. J'contrôle la zone, j'suis plus à mort. J'ai posé le trône, j'ai fait le bout de diamant. Si je la frappe, mon Brianna. Je la découper sur place, c'est ma Benyana. Je la mets dans l'exer, en cas de ragnagna. Négro armé, jamais vaincu, sur la boîte verte de banania. On te trouvera dans ce chicha, t'es qu'un sale rabia. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, arrête ton sabia. Je me suis juré d'être loyal. Je n'ai donné que ça, d'être royal. Ma larme sonne, c'est un loyal. Je reste incompris, ma carrière est incroyable. Ma carrière est incroyable. Si je vais en enfer, je fais le voyage. Tu peux m'atteindre, mais je suis injoignable. La NDR que je traînerai est insoignable. Je sais pas, je décrète, ah non. J'ai donc drop, sexe, idéalement. J'ai quitté le terre-terre, au volant du RR. De la classe, j'suis un expert. T'as aimé sucer, j'ai aimé céder. Au calme, 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 au calme. Merci de nous rester fidèles jusqu'à la fin de cette émission, amis téléspectateurs. Monsieur Lee Smith, pour la rubrique Géopolis, nous parlons de livres qui viennent d'apparaître, ou qui est apparu depuis un moment, Pour la vérité et la justice, écrit par l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, avec François Mattéi. Monsieur Lee, bonjour. Bonjour, Gustel Claire. Nous allons parler de ce livre qui est apparu depuis un moment, écrit par l'ancien président de la Côte d'Ivoire, ainsi que François Mattéi. Beaucoup de révélations ont été faites dans ce livre, vous l'avez lu. Et tout d'abord, une petite synthèse, qu'est-ce que vous retenez? Une petite synthèse du livre, en fait, pour ceux qui n'ont pas lu. Et pour ceux qui n'ont pas lu, c'est un livre écrit par François Mattéi, qui est journaliste, qui n'a pas seulement écrit un livre pour parler de Gbagbo, comme beaucoup de journalistes font, mais il a écrit pour faire des révélations sur le gouvernement de les 10 ans que Gbagbo a été au pouvoir, et puis l'intérêt que la France a pour la Côte d'Ivoire et d'autres pays de l'Afrique francophone, l'Afrique noire francophone. Donc c'est un livre qui fait des révélations de la France-Afrique. Que beaucoup de gens croyaient que Sarkozy avait dit que c'est fini, François Hollande vient encore de dire que c'est fini, mais en réalité, la France-Afrique n'est pas finie. D'accord. Donc c'est un bon livre, ça a déjà vendu plus de 200 000 exemplaires en France. Génial. Beaucoup de révélations ont été faites, monsieur, dans ce livre, entre autres l'écartement de Laurent Gbagbo au pouvoir. Si on peut revenir là-dessus, quelles ont été les réelles raisons pour lesquelles le président, l'ancien président de la Côte d'Ivoire a été chassé? On sait un peu comment ça s'est passé. Il a été écarté du pouvoir. Oui, c'est que pour couper une très longue histoire courte, c'est que Gbagbo n'était pas dans le moule de la France-Afrique.
il n'était pas comme beaucoup de chefs d'État de l'indépendance de l'Afrique francophone noire, et donc il était atypique. Premièrement, c'est que Babo n'était pas comme... Vous savez, aujourd'hui en Afrique noire francophone, j'en ai vu un peu l'expérience hier, quand il y a la France, il y a le 14 juillet, ici au Congo, à Yaoundé, à Nouakchott et tout, tout le monde veut y être. Et puis, quand vous voulez être président dans un pays de l'Afrique francophone, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, vous devez passer par l'Élysée et être adoubé, adoubé. C'est un peu comme tu as l'onction papale de Paris. Donc, Gbagbo, c'était un. Donc, Gbagbo a refusé cet aspect. Il a refusé. D'abord, il a défié un monument de l'Afrique francophone qui s'appelle Houphouët-Boigny. Il faut savoir que Houphouët-Boigny, il a été député. L'une des grandes réalisations de il a été député de la 4e et la 5e République en France, et l'une des grandes choses que M. Boigny a fait, c'est qu'il avait fait une proposition de loi qui a mis fin aux travaux forcés en Côte d'Ivoire. Donc c'est quelqu'un que tous les présidents français admiraient bien, en particulier Jacques Chirac et même avant lui. Mais donc pour les Français, d'abord c'était un monsieur qui était nationaliste, qui aimait la Côte d'Ivoire, qui aussi avait commis, entre guillemets, ce n'est pas une erreur, le crime de l'ex-majesté en demandant que le Congo, la Côte d'Ivoire doit quitter la zone franc et puis remettre en cause toutes les décisions que, quand on prenait en Côte d'Ivoire, on doit d'abord consulter Paris, mais ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui fait. Dans beaucoup des pays de l'Afrique noire francophone, on doit consulter Paris pour prendre un... Justement, M. Lee, pourquoi est-ce que la majorité des chefs d'État africains sont assujettis par la France? On peut se cacher de le dire, mais les réalités sont là, on en voit. Pourquoi est-ce que la majorité, enfin une grande partie des chefs d'État africains continuent à rester assujettis par la France? Donc la France-Afrique, c'est... La France-Afrique ne peut pas finir maintenant parce que les enfants de ces sujets assujettis ont aussi passé le virus à leurs enfants. D'abord, il y a beaucoup de gens en Afrique francophone que s'il n'est pas à Paris, il va mourir. Il peut tout faire pour arriver à Paris. Il va tout faire pour rencontrer n'importe quel ministre là-bas. Ça s'explique en deux choses. D'abord, c'est un problème de mentalité. C'est pourquoi en 2000, Thabo Mbeki, qui était l'ancien président sud-africain, le premier président noir là-bas, deuxième président noir après Nelson Mandela, avait dit que l'Afrique francophone a besoin d'une seconde période de décolonisation, mais cette fois-ci décolonisation mentale. Il faut que les gens de l'Afrique francophone arrêtent de croire que, bon, si tu veux parler français, il faut que tu parles comme un Parisien, tout doit être venu de la France. Mais de l'autre côté, c'est... beaucoup de chefs de l'État d'Afrique ont quand même vu quelques monsieur choisis. Vous avez les gens que Houphouët-Boigny a contribué à être tué. Par exemple, c'est pas moi qui le dis, c'est bien écrit dans le livre, Thomas Isidore Sankara, lâché par la France et assassiné en 1984. Vous avez Paki, par l'actuel président burkinabé qui s'appelle Blaise Compaoré, qui a été soutenu par Monsieur Houphouët-Boigny. L'autre exemple, c'est le bouillon premier ministre congolais de l'époque, Patrice Emery Lumumba, lui tué en 61. Et puis vous avez le cas qui fait beaucoup peur, c'est le cas de Sylvanus Olympio, qui est le président, qui était l'ancien président togolais. Son seul crime, c'était de quitter de la zone franc et puis adopter la livre sterling, la livre à l'époque de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Et on lui est tué le 15 janvier 1963. Par qui? Par un certain Gnassingbé Eyadema, qu'aujourd'hui c'est son fils Faure qui gouverne. Je crois que, fort de tous ces genres de choses, beaucoup des chefs d'État de l'Afrique francophone ont peur. Et même Fulbert Youlou, tout le monde parle ici de Fulbert Youlou a été lâché parce que Fulbert Youlou devenait un peu très indépendant aux yeux de Charles de Gaulle, qui ne l'aimait même plus. C'est pourquoi vous avez vu venir quelqu'un comme les Massamba Déba et les autres qu'on est en train d'adouber aujourd'hui. Donc ça fait que... Donc, monsieur, si je vous comprends bien, pour revenir sur les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le président, l'actuel président de la Côte d'Ivoire n'a pas mérité, il n'a pas été élu au suffrage universel, il a été imposé par la France. Selon monsieur François Mattei, il a été imposé par la France. Bon, il y a les erreurs que Gbagbo a commis, mais la réalité est que, si vous regardez, depuis, monsieur Ouattara avait dit, tant qu'il n'est pas président de la Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais la paix en Côte d'Ivoire. Et il a démontré,
en utilisant toutes les connexions qu'il avait. Il était un homme bien éduqué, il a travaillé à la FMI, il a les bons réseaux. Donc, et puis aidé aussi par son ami de 20 ans qui est M. Nicolas Sarkozy, donc il fallait que faire venir à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui est pro-français et pro-occidental. La preuve en est que Ouattara a donné tout aux Français et ce que il a donné tout, enfin il est devenu très pro-français, donc les Français ont voulu qu'il vienne parce que pour la France, la Côte d'Ivoire est trop précieux pour eux pour être lâchée ou pour être gouvernée par quelqu'un qui n'est pas passé par l'amour de la France-Afrique. Voilà, un nouveau livre, M. Eli, pour la vérité et la justice, écrit par Laurent Gbagbo et François Mattei. Plusieurs révélations dans ce livre. On va conseiller nos téléspectateurs de se procurer de le lire. Alors, quelque part, on a l'impression que la France a soutenu le Biafra. Oui, la France a soutenu le Biafra, et encore, c'est un autre monsieur choisi, ça c'est M. Foucault qui le dit. Alain Foucault. Jacques Foucault. Jacques Foucault. Alain Foucault ne peut pas dire ce genre de choses, je ne crois pas. C'est Jacques Foucault qui l'a dit. Il a dit pour soutenir le Biafra. Le Biafra, c'est quoi? Le Biafra, c'est une république éphémère qui a été créée à l'est du Nigeria entre 1968 et l'année 70. Pourquoi le Nigeria et pourquoi la France a soutenu l'armée biafraise? Et vous allez voir que tout le monde qui a soutenu le Biafra, c'est d'abord Oufouet Boigny, Omar Bongo, et tout ça, c'était les suppôts de la France. C'était des gens que c'est la France qui les a placés. Et vous avez certain Maurice Robert qui était ambassadeur là-bas. Et c'est aussi au Biafra, après avoir fait tuer 2 millions des Biafrais et les Nigériens, la France a fabriqué ce qu'on appelle Médecins sans frontières. Vous savez, devant la façade de la bonté des Occidentaux, il y a tout ce qui se cache. Donc pour le Biafra, c'était un, parce que le Nigeria avait commis une erreur, encore pour eux, d'avoir critiqué le test nucléaire que la France avait fait au sud de l'Algérie, précisément une région qu'on appelle Rigan, dont la France n'a pas accepté. Et la France a aussi trouvé, selon les dires de M. Foucault, ridicule que le Nigeria avait dit, eux aussi au Nigeria, ils vont avoir la bombe atomique, dont la France n'a jamais accepté. Et autre chose, c'était le contrôle du pétrole, parce que le delta du Niger se trouvait dans la zone biafraise, dont la France voulait continuer à avoir une zone stratégique, parce qu'une des raisons pour laquelle la France contrôle beaucoup les pays de l'Afrique noire, c'est que quand elle avait perdu l'Algérie, bon, c'est sûr que la France toujours une contrôle sur l'Algérie, mais quand elle a perdu le contrôle sur l'Algérie, pour garder son indépendance énergétique face aux pays anglo-saxons, donc face à la Grande-Bretagne et les États-Unis, il fallait avoir une indépendance énergétique, donc les pays comme le Congo, Brazzaville, le Gabon, le Cameroun. Et puis, il voulait aussi le Biafra pour être vraiment autonome d'une façon énergétique. Et deuxièmement, aux Nations Unies, souvent la France dit qu'elle est le porte-parole de l'Afrique. Non, c'est que ces 14 pays de l'Afrique francophone l'aident à devenir un pays puissant. Oui, elle est aussi puissante, mais il y a une injustice. Parce que les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Chine. Mais il y a 2 pays qui ne méritaient pas d'être là-bas. Il s'agit de quel pays? Il s'agit de la Chine et de la France, parce que ces 2 pays ont été vaincus pendant les Secondes Guerres mondiales. La Chine par le Japon, la France par l'Allemagne. Mais la France a eu sa place au Conseil de sécurité parce que Churchill aimait beaucoup la France, a voulu que la France, pour redorer le blason de la France est revenue au Conseil de sécurité. Mais il y a souvent un mépris que les Britanniques, les Anglais ont vis-à-vis de la France. Mais la France, pour se donner de la force, se base sur le soutien de ces 14 pays de l'Afrique francophone qui les aident et puis exploitent les ressources naturelles. D'accord. Et tout chef d'État de ces pays qui veut être révolutionnaire, qui veut être indépendant, lui, la France veut tout faire pour qu'il soit tué ou il soit chassé du pouvoir. Voilà, on verra bien jusqu'à quand ce scénario durera. Un livre que nous conseillons à tous nos téléspectateurs de se procurer, M. Lee. Oui, il faudra que le téléspectateur achète ce livre de Laurent Gbagbo et de François Mattei, Pour la vérité et la justice. Côte d'Ivoire, révélation sur les scandales, sur un scandale français, parce que c'est arrivé en Côte d'Ivoire, ça peut aussi arriver au Congo, ça peut arriver ailleurs. Bien sûr. Et puis aussi, en dehors de critiquer la France, il faut aussi qu'on voit avec la mentalité des gens qui nous gouvernent. Moi, j'ai vu un spectacle qui m'a désolé à Charles de Gaulle hier.
c'était plein, parce que c'était le 14 juillet, tout le monde y était, mais rappelez-vous... Quand vous dites qu'on est venu célébrer notre fête nationale. Oui, mais si c'était par exemple la fête de l'Algérie, la fête du Cameroun, la fête du Congo, beaucoup de gens ne se bousculent pas à la porte. Voilà, merci beaucoup, monsieur, d'être venu nous présenter la rubrique Géopolis. Nous parlions de ce livre qui vient d'apparaître pour la vérité et la justice, Côte d'Ivoire, les révélations sur un scandale, écrit par deux auteurs, Laurent Gbagbo et François Matéi. Et vous pouvez vous procurer le livre pour découvrir un peu de quoi est-ce que ce livre parle concrètement et puis être à la portée. Avoir la connaissance de toutes ces révélations. Merci beaucoup, c'est bientôt la fin. J'ai un jeune artiste qui est dans ce studio, il va s'installer. Il est acteur, il fait du cinéma avec les moyens de bord. Il va pouvoir me parler de son court-métrage juste après cette belle musique que nous propose notre réalisateur du jour, Richie Fernandez. Reste avec nous et surtout faites-vous plaisir avec lui. Tell her not to bet it. Take a time when we get it. It's gonna be alright.